Forcément, un mec sur le toit. Ouais, je vais arrêter. Pas mieux comme ça, c'est vraiment de la merde, hein, c'est... Je sais pas, y a pas de... Non. Voilà. Écoute, voilà. Ils ont levé le BR en solo, donc c'est le seul truc à la limite que j'aimais bien jouer, donc... Bah écoute, hein, si je veux jouer du BR en solo, on va aller sur le meilleur Warzone, hein, on va aller sur le 1. Avec le rythme qui s'était imposé de faire un Call of par année et qu'ils avaient décidé de faire une pause et que finalement ils ne respectent pas la pause, ils se mettent dans la merde tout seuls. Sur Modern Warfare 2019, ils auraient gardé pendant 2 ans le jeu avec du contenu, etc. On aurait sûrement râlé parce qu'on n'aurait pas su, mais au final, sans le savoir, ça aurait été la meilleure décision, quoi. On a une époque où il faut arrêter de faire un nouveau jeu tous les ans. Ouais, mais après, tu sais comment c'est, Activision, ils sont très forts. Ils vont te sortir un trailer, ils vont te sortir des promesses, des machins, des trucs. Ils sont très très forts sur la com. Et c'est là où ils gagnent. C'est qu'ils... Ils vont te baiser. Sur le prochain Call of, ils vont te baiser. Le trailer, les machins, les trucs, ils vont te raconter tout ce qu'ils veulent. Ils vont te baiser. Vas-y, là, du coup... J'ai vu un gars là-haut. Oh le salaud. Garde la pêche. Oh, fils. Oh man, j'ai entendu marcher, je crois qu'il arrivait du milieu. Ah bien joué à lui. Oups. Ah ouais. Il avait repéré quelqu'un lui ou... Qu'est-ce qu'il faisait là exactement en fait? Vrai, la sensation du jeu elle est... Rien à voir quoi. Rien à voir. Même tu vois c'est tout ça, regarde. Tu regardes le truc là, tu vois si c'est en haut ou en bas. Que sur Warzone 2, tu vois pas. T'es obligé de le ping réellement pour savoir où est-ce qu'il est. T'as pas une indication de savoir si c'est en haut ou en bas. Ah. Comment il est arrivé là-haut si rapide? Tu l'as entendu siffler dans les oreilles celle-là. Hein. Non, pas accroché la saison 3, non. Y a rien de nouveau, t'as la snipe qui soi-disant one-shot, oui. Mais avec une retombée de balles abominable. Donc du coup, le feeling est pas... Genre t'as pas le feeling. T'as pas le bon feeling du one shot. Ennemi déployé dans la zone des opérations.
ça c'est une sensation au headshot. La nuque sur Warzone est incroyable. Je suis pas d'accord, je trouve que la nuque a pourri le jeu, moi. Au début, tu voyais tout le monde qui était en train de tryhard, mais vraiment comme les pires ordures, juste pour taper la nuque. C'était affreux, ça a pourri le jeu pour moi, la nuque. Finalement, peut-être plus besoin de prendre la loupe, hein. PUBG, ça me donne envie. Ouais, après je sais pas s'il y a encore beaucoup de monde sur PUBG. Des fois sur PUBG, il y a pas mal de bots. Waouh! Je sais, ouais. C'est vrai que c'est plaisant. Ça. À contrat de prime, prenez-le. Voilà, frérot, c'est allé vite fait chez toi. Hein. Ha, il est fou lui. Non mais le bruit, non mais. Tu vois, c'est ce que je veux dire, la différence. Ce jeu a une âme. Ce jeu a une âme. C'est la différence entre faire un jeu pour du pognon et faire un jeu pour la passion. Reconnaissance déployée. Le drone commence sur... Pas grand monde, hein. Mec là-haut. Ah voilà. Il est en train de se déplacer. Nouveau contact. La satisfaction, mec. Y a pas idée, la satisfaction. Parce que tu vois, c'est ça le truc. Comme pour moi, je dis c'est un cadeau empoisonné ce qu'on a eu, le sniper qui one shot sur Warzone 2. C'est vrai que on a tous demandé le sniper qui one shot. Ah, tous. Une communauté. Et ils nous l'ont donné. Et je sais ce que les gens vont dire. Ouais, mais les gars, vous êtes jamais contents, etc. Mais ils nous ont pas donné le sniper qui one shot. Ils ont juste fait un truc pour faire en sorte que tu puisses plus rien dire. Mais c'est quand même de la merde, parce qu'ils ont jamais eu l'intention de faire en sorte que les snipers one shot. Mais comme ce que tout le monde demandait, ils ont dit comment leur donner ce qu'ils veulent, tout en ce qu'ils continuent et qu'ils ferment leur gueule, mais sans que ça leur donne vraiment ce que ça sent qu'ils n'ont pas envie de le faire, tu vois. Parce qu'ils l'ont fait que sur les balles explosives, donc dégâts, les balles explosives ne traversent pas les surfaces, donc on peut même pas wallbang un gars, donc c'est horrible. Deuxièmement, bah, y a une retombée de balles qui est absolument ignoble, donc au final, oui. Il y a le sniper qui est one shot, mais la satisfaction n'est absolument pas présente et c'est de la merde.
Allez, frappe aérienne, détruisez ces enfoirés. Je sais pas d'où il vient le mec qui va para, mais généralement un mec qui te para c'est mec bouclier. Hein. Et donc pour moi, bah ouais, on a joué avec le snipe qui one shot. Ok. La sensation elle est. Elle est pas là. Le feeling est pas là. Y a pas le. Et puis même en termes d'ATH, en termes de son, en termes de tout. Y a pas ce côté jouissif. Regarde. Là, c'est comme. Ah, tu vois ? Cassette en parachute. Ah ben voilà. Hey, hey. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Mec qui part, c'est mec bouclier. Bah lui je vais essayer d'esquiver comme la peste mais bon tu sais que c'est le genre de gars qui est coriace. Il est dans le bat. Ah, il va devoir sortir par là. Le mec campait le loadout. Vous gagnerez la prochaine fois. Rentrez à la base. Mec, il est niveau 1000. C'est son 5ème kill, quoi. Mec, je sais pas, ils ont jamais arrêté de jouer, c'est pas possible. Je suis niveau 750 et pourtant, je joue souvent, quoi. Putain, c'est dommage. C'est dommage, mais c'était bon.